si quand je serai connue, je me déguiserai pour pas être connue. Parce que tout le monde vous demande tout le temps des autographes. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pas ça. C'est juste faire une descente avec vous, ok? Allez, t'as gagné. Les menhirs, c'est top! Nouvelle Opel Corsa 1,3 litre CDTI. Avec son nouveau design et sa nouvelle technologie diesel Common Rail. Il vous faudra une bonne raison pour vous arrêter. Surtout qu'Opel vous offre 40 000 km de carburant. Alors, heureuse. Divin. Cette sensation légèrement piquante. Et quelle texture. Il fond dans la bouche, non? C'est tout, relevé à point. Tu préférais pas plus épicé? Oh, pourquoi pas. Je t'aime fort. Mais moi, je t'aime extra fort. Les chorizo El Pozo, c'est comme on l'aime. Doux, fort, extra fort. Les chorizo El Pozo. France marque sa volonté de développer notre confort de vie en respectant l'homme et l'environnement. La DSL illimitée Tiscali est à 20 euros par mois. Vous pourrez chercher longtemps avant de trouver moins cher. La DSL illimitée à 20 euros chaque mois avec modem gratuit est disponible dès aujourd'hui. Renseignez-vous au 3295 ou sur tiscali.fr. Un roman d'amour. Ah, l'amour, hein. Il n'y a pas que dans les livres, hein. Faut pratiquer, ça vous dirait pas de venir chez moi, boire un verre, prendre un bain? J'ai une baignoire, j'ai du bain moussant. Enfin, un site de rencontre qui s'occupe de faire le tri. Netclub.com, le meilleur des rencontres. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. La légende continue avec la version longue. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, en édition collector 4 DVD avec énergie. Ce rhume crève, ça m'empêche de dormir. Parce qu'un rhume ne se traite pas de la même manière le jour et la nuit, voici Actifed jour et nuit. Les comprimés jour vous permettent de rester actif dans la journée. Le comprimé nuit vous aide à mieux dormir. Actifed jour et nuit traite votre rhume 24 heures sur 24. Jour et nuit. Actifed jour et nuit, la vie continue, pas le rhume. Médicament réservé à l'adulte, lire attentivement la notice. Bravo, très joli trimestre. Pas Andy. Math 9, bio nul, histoire je t'en parle même pas. Par contre pour parler au téléphone avec tes copines de John et Morgan, ça y a du monde, hein. Ça sent la pension tout ça. Bah quand j'aurai mon appart, je ferai ce que je veux. Et je pourrai téléphoner autant que je veux à qui je veux. Ah oui? Et t'as les moyens? Ça je l'attendais. 3,99€. Ouais, donc Jonathan il a dit quoi? À partir de 3,99€, choisissez votre forfait dans la gamme des forfaits France Télécom. Ma ligne, je peux tout lui demander. France 2 vous donne rendez-vous avec les magasins Spar. Je l'ai pas tué, je suis pas un assassin. Ce soir, Christophe Ondelat revient sur le crime de Castelar. Un village sans foi ni loi, 15 km de la Côte d'Azur, c'est inimaginable, mais c'est pourtant ce qui se passe. Une instruction est aujourd'hui ouverte. Dans un village où derrière les portes fermées, le silence couvre la haine. Un mur de silence, rien. Pas un témoin qui ne dit la vérité. Je sais plus, je demanderai que ça, la vérité. Qui a tué le berger de Castelar? Faites entrer l'accusé, ce soir sur France 2. Des centrales en surchauffe cet été, un parc vieillissant, des déchets qui s'accumulent. Faut-il repenser notre industrie nucléaire? Alors que 80% de notre énergie vient de l'atome, alors qu'on s'interroge sur le lancement d'un nouveau réacteur de troisième génération, complément d'enquête sur cette industrie qui se veut transparente. Secret des chiffres, secret défense. Pour la première fois, l'usine de La Hague ouvre ses portes. Quel est le coût réel de l'électricité en France? Que va-t-on faire de nos déchets? Pourquoi les énergies renouvelables ont-elles si peu de succès? Complément d'enquête pose la question du nucléaire en France. Roselyne Bachelot, Corinne Lepage, la présidente de Greenpeace ou encore celle d'Areva répondent demain soir sur France 2.